Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 13 du Let's Play sur Train du Fever. Donc aujourd'hui le boulot c'est de continuer en direction de Mulhouse et Beaumont. Donc on a commencé la ligne qui part de la petite gare du Gine. Donc au début on allait passer sur un pont mais bon ça avait vraiment trop viaduc. Et donc on est passé en tunnel. Hein. Voilà on voit ça ressort là-bas. Donc c'est beaucoup mieux de passer en tunnel. Et donc on a doublé la ligne, d'ailleurs il faut que, pendant que j'y pense, non c'est pas ici, je me trompe encore dans les menus, c'est ici, voilà. Il faut que je pense à passer en grande vitesse, hein. On va pas rester en petite vitesse pour rien, enfin petite vitesse, vous m'avez compris. Donc là, tac tac, et là on rebascule comme ça. Et hop, je crois que j'ai oublié une voie encore, ouais, celle-ci. Voilà. Donc là, avant de remettre play, il faut démolir tout ça. Hop, on démolit ce quartier. Au revoir. Et on va faire la voie. Hop, caténaire, oui. Donc là, on va grimper là comme ça. Hop. Et hop, voilà. Maintenant, on peut remettre play pour avancer dans les années. Et donc là, on a dit on faisait un tunnel. Elle est à ressortir là à 1 million de tunnel quand même, faut pas abuser. Hop, voilà, plus d'1 million de tunnel, mais bon, ça vaut le coup, je pense. Là, ensuite, on repasse en passage à niveau là, on fait un petit bout de ligne droite, pourquoi pas. Voilà, on met, vu que c'est une grosse route, les nouvelles barrières. Voilà, donc on voit qu'ils se baissent au passage du train, c'est vraiment bien fait, enfin, c'est logique, mais bon. C'est pas forcément tous les jeux qui auraient fait ça. Là, ce tunnel ça coûte très cher. Hein. Pas forcément plus que. Après, c'est là-bas en bas. On va faire un tunnel, ouais. Allez, on va faire un petit tunnel là comme ça. Là, on est en 1930. On s'en fout, on fait des tunnels, on a du pognon. On creuse partout, on s'en met plus à faire des tracés qui collent le plus au relief. Ça fait partie de l'évolution un peu. Bon, même si des voies à 300 km/h à cette époque-là, je suis pas sûr qu'il y en avait des masses. 1930, on n'avait même pas encore fait le record du monde de vitesse à 331 km/h, je crois c'est. Les deux machines, là, les BB 9004 et 7107. On venait d'en faire un par contre, non? Non, c'est encore plus vieux. Enfin, c'est encore plus récent justement par rapport à nous. Le record qui se fait sur Paris-Lyon. Enfin, entre Paris et Lyon. Je sais plus en quelle année a été fait celui-là. Mais 1930, c'était encore un peu tôt. Donc là, ensuite. Moi, je serais pour. Alors attention. Une gare. Là, je pense faire une gare 4 voies. 4 voies en 240 mètres. On va pivoter, on va faire comme ça, on va d'abord démolir ça du coup, voilà, on reprend la gare qui est ici, hop, bon, non, ça embête un peu, on va la faire alors comme ça, voilà, comme ça on va la faire, et donc là on la raccorde à la route, tout ce qui est plus normal. Voilà. Donc moi, je vais me raccorder ici. Voilà, comme ça. Hop. Là, attention, on fait pause. Je sais pas si j'aurai l'espace, mais on va démolir tout ça, toutes ces maisons-là. Hop. Et on va essayer de passer en ville, en passage à niveau. Voilà, nickel. C'est ce que je voulais faire. Hop, on peut mettre play maintenant qu'on a construit. Parce que le problème aussi, c'est que si des fois on détruit des bâtiments, le temps qu'on pose la voie, il y en a déjà qui se reconstruit. Alors c'est pour ça que je vous conseille de mettre pause à chaque fois que vous démolissez des bâtiments. Ce sera plus simple et vous perdrez moins d'argent surtout. Parce que à chaque fois vous payez pour démolir le bâtiment, bien sûr. Vous voyez déjà, ça a construit déjà. Alors que j'ai même pas tracé la voie plus loin. Et voilà, ce que je disais. J'aurais dû tracer un peu plus loin. Et voilà, je paye un peu d'argent. Bon, concernant la construction, c'est moins cher que si c'était déjà construit, mais bon.
c'est toujours ça à payer. Là on va faire un pont, hop, comme ça. Hop. Et là j'y raccorde ici. Voilà. Maintenant on peut mettre play. Alors maintenant ça on y passe en une droite. Ce sera une LGV presque hein, bien sûr. Là par contre il me sort un pont. On va l'enlever. Voilà, comme ça. Et là il y a cette intersection là qui m'embête un peu. On va tricher un peu. Ah j'ai plus les petites routes. Ok, je suis plus dû mettre en goudronné, d'accord. Voilà. Ça, voilà, comme ça. Là par contre c'est le petit virage là qui va m'embêter. Ouais, ok, alors on va modifier un peu tout ça. Bah ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, c'est qu'on va faire ça. La grosse route, elle est là. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Et donc ce petit passage là. Voilà. On va le supprimer. Comme ça, nous, on peut passer tranquillement. Alors, la ligne, c'est vraiment une belle ligne droite. Hein, mais... Là, 300 km/h. On les attendra pas, les 300 km/h, là, je pense. C'est trop court comme distance. Mais déjà, si on fait un petit 200 en pointe, c'est pas mal. Enfin, on n'a pas encore le matos pour, hein, mais bon. Dans le futur. Et donc là, Beaumont, on va faire une gare pour qu'il y ait une petite... Bah, on va la faire là, la gare, alors. Hein, pas trop le choix. Hop. Faire une gare 4 voies aussi également. Hein. On va pas s'embêter. Et on a les nouveaux bâtiments voyageurs aussi. Ah, on a une nouvelle gare. Hop, on va la mettre comme ça. Hop. On va essayer de rester du 300 km/h jusqu'au bout. Hein. On va pas. Il me propose quoi lui comme itinéraire là? 300. Ok, bon, on va garder ça. Hein. Ça me convient bien. Voilà. Et donc ça, on y basculera. Ouais, on va faire les aiguilles tout de suite. On va faire les aiguilles tout de suite. On va faire un truc comme ça, voilà. Hop. Hop. Et là, on va remettre un truc comme ça. Et oh, bien sûr, on modifie. Non, c'est pour ça que je vais faire. Moi ce panneau, merci. Voilà, on met ça en voie rapide. Et là, ce que j'ai mis aussi à Mulhouse, ouais, sur mon axe à moi, ouais, c'est bon. Parfait. Alors, donc là, on met nos signaux. Hop, ça. Ça, là. À peu près ici. À peu près ici au passage à niveau. Hop, à Mulhouse. Ah, nouvelle voiture. Intéressant. Intéressant, intéressant. À peu près ici. Voilà. À peu près ici. Voilà. En sortie de gare. Il y en a un ici. Et après, c'est fait. Alors, par contre, ouais, faudrait que je fasse pause 2 secondes. Parce que si on a une nouvelle voiture pour la nuit, ça serait pas mal. Hop. C'est la nuit, on va plus miser sur la capacité que la fréquence, je pense. Pareil pour cette ligne-là, ce sera plus de la capacité que de la fréquence, vu la longueur qu'elle fait. Je crois que c'est la plus grande ligne qu'on a fait là. Mais bon, on est dans une époque là où tout évolue, les gens font les plus grands trajets parce que les trains vont plus vite. Donc c'est normal. Alors, petit coup d'œil sur la ligne 8 qui n'est pas encore remplacée, c'est intéressant ça. Donc on va pouvoir supprimer ça et assigner les véhicules. Donc on passe maintenant à 18 voyageurs au lieu de 17. Ok, c'est pas flagrant en fait. Hein. C'est pas flagrant. J'hésite vraiment à même les mettre hein, parce que. Bah 18, 17, bon c'est plus rapide, hein, mais bon.
Et elle dure 50 plus. Ouais, mais t'as vu, elle coûte quand même pas mal plus cher. Ouais, allez, bah je les mets quand même. C'est kiff-kiff. On les met quand même. Voilà, on aura 4 personnes de plus dans le train. Mais c'est pas grave. Donc on va mettre play. On va faire notre nouvelle ligne. Alors on va partir du Jin. Oui, Jin, c'est la Jin. Voilà. Alors. Par contre, je peux commencer déjà aussi à mettre les nouvelles voies sur mon itinéraire. Voilà. Hop, hop, hop. En gare, c'est fait. Voilà, jusque-là, c'est fait. Hop. Parfait. Alors, donc, nouvelle ligne qui sera déjà la ligne 18. Hein. On en aura pas mal. On va faire partir de tout à droite. Hop, tu vas aller jusque ici. Voilà. Cette voie-là. Ensuite, tu vas continuer ici. Cette voie-là. Et tu vas finir ici. Et bah, cette voie-là. Tout à gauche. Tout à... Ouais, enfin, gauche et à droite maintenant. Ouais, ça ira bien pour l'instant. Quitte à y modifier après. Voilà. Donc, hop, tu passes là. Voilà. Et donc ça passe là. Et ça revient là. Parfait. Donc on va signer des trains. Hein. Je pense, vu l'argent qu'on a, on peut prétendre sur 4 trains directement tout de suite. Hop. 1, 2, 3, 4. On va mettre 5 et 5 trains, on va mettre. Alors ça coûte assez cher. Hop, assigner tout, ligne 18. On va voir si vraiment on est rentable avec 5 trains. Je pense que ça devrait le faire. Parce que la ligne est vachement longue. Par contre, il faut que ça se régule assez bien, parce que j'ai tous envoyé à la suite là. Mais pareil, ça devrait le faire. Hop, on va voir ça, on va regarder de plus près. Ouais, il passe là, c'est logique. Bon, maintenant cette partie de voie est toujours en voie unique, hein, c'est pas un souci. Ça régulera un peu le trafic. Puis bon, c'est juste un petit chouïa de bout de voie, hein, donc c'est pas grand chose. Là, après, on passe en double voie. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une ligne qui va coûter assez cher à faire et qui coûtera assez cher en train, je pense. Mais si elle fonctionne bien, elle sera très rentable. Donc, on va attendre que les trains passent. Voilà. Maintenant, ça va nous passer. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent déjà ou pas? Dans l'autre sens, ouais, ça attend déjà. On voit le tunnel. On est obligé de faire un tunnel là, de toute façon. Donc, sinon, il faut repartir de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi bien comme ça. Comme j'ai dit, dans une époque où on a de l'argent, on a les moyens. Donc, on va pas se priver de faire des tunnels. Celui-là aurait été moins nécessaire par contre. Mais bon. Ça permettra d'aller un peu plus vite sur les trains lourds. Il y a eu des petits coups de lag quand même. Hein, des... Là, ouais, le jeu commence vraiment à saturer un peu. Il y a beaucoup, y a plus en plus de bus et de trains. Je pense que je vais supprimer tous les bus. Hein. Du moins les lignes qui sont tout juste rentables, ouais, je vais les supprimer. Genre ligne 14, toi, hop, voilà, déjà ligne 14. Ligne 14. Hop, voilà, hop, on la supprime. Là, ligne 15, c'est pareil, on supprime. Ligne 2. On va la laisser, on va en vendre quand même quelques-uns.
Ouais, on va la supprimer aussi. Voilà. Ligne 3, hop, on supprime aussi. Ligne 5, on va la laisser parce qu'elle est rentable. Ligne 7, c'est rentable. Et ligne 9, on va supprimer aussi. Voilà. Comme ça, on aura fait un peu de ménage. Les lignes 10, on pourra peut-être presque la supprimer aussi. Non, elle rapporte quand même assez bien, donc on va la laisser. Ah, pour moi, elle a déjà chargé 48 personnes. Putain, c'est pas mal. Oh, il nous refait le bug. Faudrait que je corrige ça. Bon, on verra plus tard. Hein. Il y a déjà un autre train qui arrive en face. Ouais, faut que le trafic se régule tout seul là. J'ai tout envoyé à la suite. Bon, on voit, ils se suivent tous. Hein. Il y a 5 trains, j'ai mis. Donc, il y a déjà 3 là. Il n'y en a plus que 2 qui doivent arriver en face. Il y a déjà un autre là, donc plus qu'un. Alors combien on dépose, combien on prend? On dépose. Déjà le train arrive. Ok. Donc au total on a perdu, on a dû faire déposer une petite dizaine et en reprendre un peu moins. Mais bon, c'est pas mal. Ça veut dire que déjà là il y a des gens qui font la navette entre ces deux gares là. Et en plus qui vont beaucoup plus loin. Donc vraiment la ligne va être rentable je pense là. Alors, ici, qu'est-ce que ça donne? On voit ça reconstruit déjà tout de suite là, au-dessus de la voie, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça perd pas de temps hein, au niveau construction. Hop, donc là on a déposé pas mal, on a repris pas mal aussi, hein, vraiment. C'est vraiment pas mal. Hein. Du coup, il y aura des arrêts un peu vides, hein, c'est pas grave. Si j'ai supprimé les lignes, mais j'ai pas supprimé les arrêts. Donc, j'aurais pu peut-être laisser au moins la ligne, ouais. Bon, après, ça m'aura fait des lignes vides dans l'inventaire, mais c'est pas grave. Donc on voit ça monte bien à 95 hein, quand même, c'est vachement plus rapide que les vapeurs montées. D'où l'intérêt de mettre les lignes électriques tout de suite. Et là ça prend un bif, enfin un bif. Du coup c'est la voie principale maintenant, les bifs c'est la voie unique. Hop, on passe en tunnel. Hop, on passe sous la ville, sous les voies, et on arrive là. Et j'ai pas mis de signaux ici. Faut que j'en mette. Avant qu'il y ait une catastrophe. Oui, il y a du monde qui attend là-bas en plus. Et là, j'ai oublié d'en mettre là des signaux. Enfin, juste un en fait, il en manque. Hop, oui, voilà. 61 personnes, ouais, c'est vraiment pas mal. Une bonne ligne. Une bonne ligne. Il y a déjà un train qui arrive. Du coup, on est toujours en vapeur. Hein. Quel âge il a? 28 ans, ouais, c'est vraiment très long. La ville se développe bien. Là, on a un mini Montparnasse avec un petit bâtiment au-dessus de la gare, presque. Non, quand même pas. Mais ça fait penser quand même à Montparnasse. Hein. Mais faudrait que le bâtiment soit dessus la gare, ouais. Dommage qu'on puisse pas faire plus de modifications dans la ville, ça serait compliqué, il a vraiment... Franchement le jeu, il est bien comme il est vraiment très poussé. Mais c'est vrai que c'est... Des fois ça manquerait, déjà ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça. Le tram qui fonctionne extrêmement bien là pour le coup. Ah puis vous voyez que la route que j'ai fait, bah, y a des gens qui ont déjà construit dessus hein. Tram, faut voir, 7 passagers sur 10, ouais. Bon, la 4, c'est pas grave, mais bon. En même temps, faut que les trains arrivent. Pourquoi il n'y a aucun train en fait en gare? C'est suspect ça. Ah non, c'est bon, ça arrive. Des fois, quand il n'y a pas de train en gare, tu dis, ah, il y a un petit problème. Mais bon, là, ça va. Ça prend les passagers.
Là, c'est complet. Là, ça va être complet. Voilà, c'est complet. Hop, qu'est-ce qui n'est pas rentable? La ligne 1. Ah ouais, mais c'est en cours d'emplacement, c'est pour ça. Voilà, on voit déjà la première ici qui s'est remplacée. Ouh, c'est déjà remplacé, je sais plus. Non, on va dire que c'est en cours d'emplacement, ce que je suis plus sûr. Et la ligne 18, bah, combien de créer? C'est normal, ça, c'est tout juste créé, donc on va attendre un peu. Ligne 4, pareil, en cours d'emplacement. Et ensuite, la 8 qui est en train de se faire remplacer, enfin, voilà. Voilà, on a enfin des machines électriques. Ah, et on vient d'avoir une machine vapeur. Ah, voilà, c'est celle-là de vapeur qui va à 120, si je me trompe pas. On va faire un tour dans les dépôts. On sait que j'ai un petit dépôt pas trop loin. Bon, on va aller à Eugene. Hein. Eugene, finalement, c'est là où il y a les dépôts. Hein. Il y a trois dépôts, rien qu'à Eugene. Et donc, on a la machine à vapeur qui peut aller à 120. 145, c'est vrai. Oh oui, 145. Mais t'es fou, c'est elle qu'il me faut sur la moque que j'ai électrifiée là. Non, on va attendre. 145, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ce que je vais faire, c'est que sur les lignes qui sont totalement remplacées, donc par exemple la ligne 10, on va pas mettre le remplacement tout. Voilà, comme ça, dès qu'ils seront... comment dire, vieux, dès que les trains faudra les remplacer, ils pourront bénéficier de la meilleure technologie que j'irai débloquer. Pareil pour la 13, on enlève le remplacement auto. Ensuite, bah, la 18, elle l'a pas encore. La 6, c'est en cours. Il en manque encore un. Quel âge il a? 27 ans, ok, 5 ans, un peu tôt. Et là, pareil, c'est en cours. Voilà, voilà. Comme ça, dès que c'est vieux, que je reçois une alerte, tac, je mets le meilleur. Parce que je vais pas remplacer les trains alors qu'ils sont encore bons, même si la technologie est plus évoluée. Mais là, on voit quel âge il a, lui. Il y a 10 ans, ouais, ok. Il y a 10 ans, il faudrait vraiment que je mette des meilleurs trains sur cette ligne-là. Et là, comment elle tourne la gare? Ok, elle tourne bien. Pareil, celle-là, comment elle tourne? Là, c'est combien? 14 passagers. Ouais, c'est pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Une 18, il y a du monde, par contre, maintenant. Ensuite, là, cette gare-là, tiens. C'est un moment que j'ai pas regardé. Une 16, 96 personnes. Oh, t'es sérieux. Ouais, la ligne 16 là, faudra vraiment que dès que je peux, je mette des trains plus rapides et plus capacitaires. Mais on va attendre parce que les trains sont neufs, donc ils sont. En fait, ils ont quel âge exactement? Faut voir toi détail. Il y a 8 ans. Ouais, je pourrais remplacer, mais on va attendre quand même un peu. Ici, ça donne quoi? La ligne 4. Oh la vache. La ligne 4, mais dis donc. Ah, en plus, en cours d'emplacement, je pourrais le remplacer. Fais voir, ligne 4. C'est quoi la compo de la ligne 4? Ligne 4, ok, je vais mettre ça. On va en rajouter deux. Du coup, je remets parce que c'est. Il y a besoin. Alors que je l'avais supprimé parce que j'étais pas rentable. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. On va le cloner, on va mettre 2 tout de suite. Voilà. Tant pis si c'est pas rentable. Des fois, t'as des besoins sur un moment et après, c'est plus enfin, t'as plus du tout de besoin. Bon, on va voir là ce que ça donne. Si j'ai fait le bon choix ou pas, sinon, bah, j'y revendrai. Hein. Il y en a 32 millions de dollars, c'est pas mal. Oh, oh, la flèche rouge. La flèche rouge. Ça, c'est intéressant aussi, ça. C'est pour ça qu'il faut que je désactive maintenant les. Comment dire, les remplacements auto parce que. On aura de plus en plus maintenant de nouveaux matériels qui arriveront de plus en plus vite. Là on voit entre 35 et maintenant en 36, en un an on a déjà eu deux nouveaux trains. Et donc c'est vraiment plus intéressant d'attendre.
Ça c'est ligne 4, ça si je me trompe pas, ouais. Trois voyageurs, ouais, y a personne par contre qui départ de cette gare là. Mais du coup maintenant, ouais, pour ligne 4, ils partent tous d'ici. Enfin, de ligne 4. À la place de prendre le train là, ils prennent plus ce train là et quitte à faire une correspondance, je pense, ici. Enfin bref, je sais pas. Donc bon bah je pense qu'on va cesser là-dessus pour cet épisode, hein, 13e épisode. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus je pense pour aujourd'hui. On est déjà à 25 minutes de vidéo donc le temps de faire une nouvelle ligne, je pense que on dépassera après les 30 minutes et bon après c'est un peu trop long je trouve, 30, plus de 30 minutes. Même si j'ai déjà fait. Donc on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour un futur épisode et salut tout le monde!